Cette vidéo est sponsorisée par NetBet. Lien et code promo dans la description. Eh bien, salut à tous, c'est Cyril. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes jeudi, les premières récompenses Fut Champion sont tombées. Pour ma part, c'était assez compliqué. Pendant une bonne dizaine de matchs, victoire, défaite, c'était impressionnant. Maintenant, je commence à progresser, à défendre mieux. Donc, on a pu déjà, de 1, rattraper le Fut Champion et mieux se préparer pour le second qui arrive demain. Donc, on a terminé hors 2 et rang 2 en Division Rivals. Donc, normalement, les amis, ça devrait pleuvoir de packs très intéressants. Et en espérant taper du très très lourd dans les cartes rouges. Vous le savez, les amis, si j'ai une carte rouge là, supérieure à 84, je ferai gagner 2200 points FIFA. L'équivalent de 20 euros, c'est très simple pour participer, un commentaire sur la vidéo, peu importe lequel, sans forcément que je participe, je m'en fous, juste une phrase, un commentaire, et vous lâchez un like sur la vidéo, c'est tout, c'est simple, et d'ici samedi ou dimanche ou plus tard, il y aura un tirage au sort qui sera effectué. Allez, c'est parti les amis, on va aller chercher nos récompenses Division Rivals. C'est exactement ce que je voulais, donc on a bien terminé rang 2. Pack à 50k, pack à 15k et un pack 30k ou 35k. Le pack méga parfait. Alors que c'est qu'à l'option 1, hein, c'est vrai, on aurait pu prendre l'option 1 à 50 000 crédits. Mais j'ai eu de la chance avec les packs là, la semaine passée là-dedans. J'aurais pu avoir 50 000 crédits et au final je suis parti avec plus de 110 000. Donc je me suis dit pourquoi pas deux week-ends de suite, hein, deux semaines de suite. Hein, ça peut être, ma foi, évident. Voilà, et on a bien terminé rang 2. Comme je vous le disais d'ailleurs avec une équipe qui fonctionne très très bien, du moins un dispositif. Et normalement vendredi je vous propose un tuto 4-4-2 avec les instructions. Un joueur et la tactique perso. Et vous allez voir, c'est vraiment très efficace. Et moi, depuis que je joue en 4-4-2, je vais pas dire que mon niveau défensivement a peut-être doublé, mais pas loin. Donc franchement, je vous le recommande et vous verrez une vidéo sympathique. Sinon, les amis, n'hésitez pas à checker toujours la description de cette vidéo pour avoir les sites, bien sûr, de Paris Sportif, le lien du Discord qui est gratuit, plus l'ensemble des autres liens, les liens de Prestart, Poche et les cartes Xbox PlayStation au meilleur prix. Bref, tout est dans la description. Pensez-y tant, achetez un petit œil. Allez! Maintenant, on va chercher nos récompenses Fut Champion, en espérant avoir du lourd en carte rouge. Ok, donc petit hors 2, pas mal, pas mal, franchement pas mal. Pour un premier Fut Champion, sachant que défendre, c'est hyper compliqué, pour moi, ça me va, ça me suffit. Cette année, je vais juste me faire mes Fut Champion tranquillou, prendre du plaisir, donc voilà. Pour le moment, ça va, voilà. On va essayer d'augmenter à hors 1 quand même. Pour le prochain week-end, donc, la qualifoto, basique, 45 000 crédits, 2 packs méga rares, 1 pack horreur et 2 joueurs rouges, les amis, en carte Fut Champion. Et là, c'est le moment, c'est le moment. Allez, allez les amis, allez, il y a 2 cartes, il y a 2 cartes, il y a des joueurs très intéressants. Des mecs comme Pléa, Semedo, je prends direct, Radiki, Gomez, Immobile, Verratti aussi. Hein. Allez, 1,84 plus, c'est parti les amis, pour le premier joueur de ce FIFA 20. Ouais, et bah c'est du 82. Je pense que vous êtes d'accord avec moi les amis, hein, Wesley. Carte quand même pas mal en vrai, hein. Niveau vitesse ça va, finition c'est plutôt correct. Et force c'est vraiment très costaud. Donc ouais, à la limite, on pourra le tester, je pense. Et on fera une petite équipe, pardon j'ai un peu la voix cassée. Wesley, on va pour ce premier les amis. Allez, maintenant il faut un 84 plus. Ou un 84 tout court, hein. Mais à la limite, si tu donnes un 81, c'est Hernandez. Voilà, sinon c'est du 84. Ok, allez, c'est parti, les amis. Le deuxième joueur rouge de ce Fut Champion numéro 1. Let's go, allez. Oh, mais c'est n'importe quoi, hein. Mais c'est quoi ces machins? Franchement, que dalle, hein. Putain. Hector, est-ce que je... Hector... Je crois que je vais prendre 2. Pour la note... Pour la note, et puisque c'est de la BPL, allez. On prend Dunk. Je suis un petit peu déçu quand même, j'aurais bien aimé avoir un peu plus. Mais bon, on voit que la chance, pour le moment, elle a pas tourné. Hein. Ça fait quand même plusieurs FIFA que c'est identique du point de vue des cartes rouges. Après, c'est que le premier, on jugera d'ici quelques temps. Donc, tous des packs vendables. Il y en a 6. Et ben, on va commencer par le petit pack à 15 000 crédits. Allez, c'est parti, les amis. Il faut taper au moins 86 là-dedans, hein, dans l'ensemble des packs. Et bon, on commence avec une animation, animation classique, hein. 83, un français, un DC,
Oh, j'allais dire... Oh, Hernandez! Ça, c'est très bon, ça, les gars! Direct, on commence fort! Là, ça fait plaisir. Bah, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, ça me ferait franchement très plaisir. Mais là, Hernandez, 84, c'est bon, ça? 70 000 crédits minimum. 70 000 crédits minimum pour Hernandez! Ce sont, pour le moment, de très bonnes récompenses. Si on s'arrête là en impact, nickel, hein. Hernandez, eh ben, écoutez, on signe. Et en doublon, bah voilà, hein, les maillots classico classique. Maintenant, le pack or rare. Alors ça, c'est des packs où il y a beaucoup de consommables, mais des fois, en joueur, il y en a deux ou trois qui peuvent sortir du lot. Non, pas d'animation. Écoutez, on peut skipper, c'est ce que je disais. Il y a très peu de joueurs, il y en a peut-être trois, peut-être quatre grand max. Voilà, quatre. Oh, un petit Marlos. Oh, nouvelle photo pour Marlos. En plus, ça se voit un petit peu. Allez, bon, 2-3 000 crédits récupérés, toujours plus. Ça va, ça va. Allez, maintenant, on va faire le, bah, le premier pack méga. On terminera, bien sûr, par le pack à 50K, les amis. Hein. Il faut espérer avoir du très lourd. C'est parti pour ce troisième pack. C'est déjà une animation. Et c'est classique. C'est-à-dire un petit joueur, 83, Quaresma. Pidgey, pas mal, ça, 84. Ouais. Pidgey, 84, c'est pas mal aussi, les amis, ça, hein. Pour les SBC, pourquoi pas, notamment. Donc, une bonne petite note. C'est nickel. 84 que, en plus, j'avais, bien sûr, dans mon club. Donc, on va pouvoir le mettre. Soit les transferts. Marco Parolo. Est-ce que ça se vend un petit peu? Ça se vend pas du tout. Eh bien, écoutez. On va pouvoir discard le reste. Allez. Premier des deux packs méga rares. Là, c'est une récompense. Fut champion. Encore une animation. Ah, c'est quoi, là? J'ai... pas vu c'est... Ah bah non, rien du tout. Ah bah rien du tout. Ah, je pensais que ça avait vraiment ralenti et tout. Et que dalle. Bref, Marcos Alonso. Ouais, ça se vend. Putain, il a pas beaucoup de vitesse cette année. Hein. Toujours très complet, mais ok. Et bon, on garde ça et en doublon. Ouais. Ah, et oh, des crédits ça. Mbabu. Mbabu, c'est 7-8 000 facile. Écoutez, on peut lister. On sait qu'il va monter tranquillou. Bon, bah c'est bon. Des petits joueurs très sympathiques, les amis. Maintenant, l'avant-dernier pack. Le pack méga rare. Est-ce qu'on va avoir un 86 plus à l'intérieur? Bon, là, on n'aura rien du tout. Que dalle, que nenni. Rafa, Neres. Oh, ça ne sent même pas. Rafa, encore moins. Ouais, des petits joueurs sympathiques quand même. Des petits joueurs sympathiques. Pot de vélo, ça n'est pas deux fois qu'on l'a, il me semble, hein. C'est impressionnant. Et les amis, on clôture, les amis, sur le pack à 50K. On a tapé des bons petits joueurs. Mbabu qui se vend 7-8 000 crédits. Hernandez a plus de 70 000 crédits. C'est de très bonnes récompenses, les amis, pour le moment. Mais là, il faut espérer encore un joueur, si possible, un 86+. Let's go, le pack à 50 000 crédits. Ouais, nickel. C'est du 86. C'est du 80. Oh, brésilien. Buteur. Oh, mais c'est un boost! J'ai pas fait attention sur les côtés, putain! Du coup, j'ai pas buteur brésilien, tu penses à qui? Il y a qu'une icône! Mais en fait, pas du tout! Oh là là! Le troll! J'ai même pas regardé les côtés. Ouais, et bah celui-ci, il est pas folichon, hein! Lui, ça se vend peut-être dans les 20K, ouais! Allez, on va le vendre, Wesley, vu qu'on l'a dans le... En rouge, c'est totalement inutile de le garder. Et à côté, les joueurs, c'est pas... Il n'y a rien. Il n'y a rien qui se vend à côté. C'est un petit peu dommage. Ouais, les récompenses sont quand même pas mal. On part avec largement plus de 100 000 crédits. Donc, c'est quand même des plutôt bonnes récompenses. Et Hernandez, les amis, il a fait extrêmement plaisir. En tout cas, merci, les amis, à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu et votre petit commentaire. Bref, merci à tous et à la prochaine. Bye bye. We'll be right back.